Nous sommes aujourd'hui dans une prison. Et oui, les amis, et je suis un prisonnier. Et je suis pas tout seul, les amis. Il y a aussi prisonnier numéro A. Comment vas-tu, prisonnier numéro A? Ok, il a perdu sa langue. Comment vas-tu, prisonnier numéro B? Très mal, j'ai peur, je veux pas mourir. Comment vas-tu, prisonnier numéro C? Moi aussi j'ai peur. Oh non, les amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Aujourd'hui, les amis, on est sur Yaza Prison. On s'est fait emprisonner. Il faudra compléter la mission de passer tous les prestiges avant de pouvoir sortir d'ici, les amis. Donc, en gros, vous l'avez compris, les amis, on est sur le serveur OP Prison de Yazakraf. Puis en gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter un peu l'OP Prison, vu que ben, dernièrement, Jakku, Xeox, puis Jubilee ont commencé à être fucking accro aux prisons, hein. On va pas se le cacher, vous êtes des fucking accros, ils passent leur journée sur des serveurs prison. Et puis il y a l'admin qui m'a contacté pour présenter le serveur, donc j'ai dit bien sûr, contre une Lamborghini. Il m'a dit, oh, pas de soucis, elle compte, tu la veux de quelle couleur? J'ai choisi bien sûr rouge, parce que tiens, une Lamborghini, il faut qu'elle soit rouge, tu comprends? Et puis voilà, so, on va commencer vite fait par vous expliquer le concept du serveur prison. Donc Xeox, ben explique-le aux gens. Ok, bon ben, faut juste que dans le fond, ben, il y a Tu plein de tues lois. quelqu'un, tu tues quelqu'un, tu vas en prison, puis tu restes en prison toute ta vie, c'est tout. Allez, voilà, bonne journée, les gars! Non, vas-y, explique. Non, mais c'est ça, dans le fond, il y a plein de lois, puis le but, ben, c'est juste de miner, il y a genre des parcelles, puis dedans, vous pouvez miner, puis il faut juste vendre toutes les affaires, dans le fond. Puis, tu peux rank up, il y a des ranks. Il y a A, ça va de A jusqu'à Z. Puis, dans Yup. le fond, quand tu vends tes affaires, ben, peut aller B, C, D jusqu'à Z. Puis quand t'es rendu à la fin, je sais pas s'il y a un prestige dans ce serveur-là, par exemple. Ouais, c'est ça. Il y a des prestiges. Puis ben, c'est ça, le but c'est d'être le plus avancé, dans le fond. Puis quand t'es le plus avancé, ben, il y a un point final. Puis ça se trouve à être le free, dans le fond. Ça se trouve à être le point qui dit comme quoi t'es plus en prison. Voilà. C'est juste ça. Quand t'es au bout, en gros, ben t'es libéré. Donc, Ouais. nous autres, on fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer un peu comment ça fonctionne, un peu le fonctionnement, etc. Si vous avez envie de venir nous rejoindre, la date de l'ouverture va être dans la description, etc. Mais avant ça, les amis, on va se stuffer, on va prendre 10, vous avez 10 clés chacun, right? Je vais en prendre 10 parce que j'en ai genre 50. Ok, 10 clés chacun, puis il faut espérer avoir les meilleurs trucs possibles pour notre aventure, quoi. Let's go. J'ai une épée, 64 blocs d'émeraude. J'ai eu fly! J'ai eu fly! Ah! Let's go! Allez! Ok, attends. Oh, j'ai eu vraiment beaucoup de choses. J'ai eu des billions. J'ai 23 billions en ce moment. J'ai énormément de trucs. Oh my god. J'ai le fly à vie. Oh. Y'a quelqu'un d'autre qui a le fly ou juste moi? Non, juste Ah, rip. C'est un des trucs les plus OP, je pense. Attends, c'est comme ça. là. Ok, Ouais, c'est attends. trop. C'est le plus OP. Fly 2% de l'Optionnaire, dude. Holy. Oh non. Le grade donateur aussi. Holy Ouais. fuck, dude. On était Ouais, fucking chanceux. 2%. Fait que là, on est déjà dans le fond grade B parce qu'il y avait un petit problème avec le grade B. Donc, on va aller à notre warp B. Vous pouvez faire slash warp, les gars. Puis, il y a un putain de beau menu de warp. En gros, vous pouvez cliquer sur warp B. Ça va vous téléporter ici. Puis, dans le fond, là, faut miner. Comme ça. Genre, on prend notre pioche et on mine. Jusqu'à temps qu'on ait à peu près le truc qu'il nous faut. Donc, vous voyez sur le côté, on a le progrès. Donc, ça va vous dire à combien que vous, donc, combien d'argent qu'il vous manque, dans le fond, avant de rank up. En ce moment, on est à 100% parce qu'on avait déjà de l'argent, comme avec les clés qu'on a gagné de l'argent. Ensuite, vous faites slash sell B. Vu qu'on est dans la plot B, vous devez vendre slash sell B. Ça va vendre tous les trucs qu'il y a. Là, Jubilee s'amuse à me faire descendre en bas. Hein. Il est rigolo, Jubilee. Donc, on va miner. Comme vous voyez, on mine. Il y a quand même, les mines sont quand même assez grandes. Il y a de la place pour vraiment énormément de gens. Mais aussi, faut que je vous montre les builds. Je veux dire, genre, les builds sont quand même vachement beaux sur chacune des plots. Vous allez voir. Moi, je les ai déjà vus avant. Parce que, tu sais, avec le fondateur, j'ai quand même parlé, etc. Les gars, on va rank up. Si vous avez assez d'argent, on rank up maintenant. Moi, je rank up. C'est rank up. Boom. Vous voyez, j'ai gagné une clé. Ça donne une clé à chaque fois qu'on rank up. Ça, c'est un truc inédit. Il donne pas sur aucun autre serveur à part celui-là. Tout ça, je trouve ça vraiment stylé. Comme vous voyez encore, encore une fois, les amis, juste magnifique les builds pour les plots. On va faire jusqu'à quel. On fait jusqu'à quoi? On fait la première ligne jusqu'à H, jusqu'à I pour vous montrer les premières les builds autour et tout. Puis ensuite, eux, ils doivent miner parce qu'eux, ils ont pas d'argent, ils sont pauvres. Mais moi, j'ai déjà de l'argent. Mais je vais quand même miner avec eux, que je suis pas méchant, quoi. Et puis en gros, on fait slash sell C. Boom, ça nous vend nos trucs. Et puis on fait un petit slash rank up. Ça nous TP aléatoirement là-bas. À une prochaine. Donc celle-là est dans le thème désert. Encore magnifique, les amis, comme plot.
Je dis, ils ont mis énormément de temps sûrement sur les plots parce que c'est juste vraiment magnifique les designs de chacune des plots. Il y a des plots comme ça ici, vous voyez, ils ont mis des blocs comme ça juste pour nous faire chier en fait. C'est pour pas que ça soit. Ben, c'est juste pour nous faire chier parce qu'en gros, quand on le mine, ça ne donne rien quoi. C'est de la vitre, c'est bleu, c'est genre pour nous embêter un peu. Donc, enfin, les prisonniers, c'est pas la vie, est pas facile en prison, les amis. Comme vous le savez, ben, moi j'ai fait 14 ans de prison avec Xeox parce qu'on est des pédophiles selon la population, n'est-ce pas, Xeox? Ouais. Donc, hashtag Neutrinium. Hashtag, on continue la vidéo. Hashtag, on est rendu à quel truc là maintenant? On est rendu D, donc celle D. Là, j'ai reçu, vous voyez là, on reçoit beaucoup plus d'argent pour les minerais qu'on vend. Donc, ça, c'est important aussi à savoir. Oh. On peut aussi enchanter notre. Notre truc, attends, je crois, je suis pas sûr. Enchante, on peut. Ah, on n'a pas la permission d'aller au warp enchante. Mais on peut enchanter puis continuer à améliorer notre multiplier, notre fortune dessus notre pioche. Tout ça, c'est avec. Avec de l'argent, j'imagine, si je me trompe pas. Ou. Ouais. Non, ouais, c'est de l'argent. Je pense que c'est de l'argent, ouais. Parce qu'il n'y a pas de token sur ce serveur-là, c'est de l'argent. Puis, en gros, voilà. Fait qu'on va faire slash sell D. On va. Aucun système de token pour l'argent. Ouais, c'est ce que je disais. Fait qu'on va faire un cop, ça nous TP, ça nous donne une autre. Oh, celle-là est dans le cimetière. Ouais, 2000 dedans. Ça va? Vas-y, on prend celle-là. On règle celle-là, puis l'autre, eux, ils règlent l'autre. Fait qu'en gros, ouais, c'est vraiment stylé, les amis. Personnellement, ben, genre, ça détend, quoi. C'est un mode de jeu pour se détendre après une bonne journée sur un PvP faction. J'ai déjà présenté leur PvP faction, si vous avez envie d'aller voir cette vidéo-là, va être en lien dans la description. Puis ouais, c'est vraiment le fun, parce que vous pouvez vous détendre, vous amuser, puis tout. Il y aura plein de nouveautés qui vont arriver. Comme je vous dis, vous pouvez avoir un grade VIP, dans le fond, gratuitement. Clairement, encore une fois, vous pouvez avoir le donateur gratuitement parce que vous recevez des clés à chaque fois que vous prestigiez. Donc, plus que vous allez miner, plus que vous allez jouer, vous allez pouvoir augmenter de niveau de rank up, etc. Et vous allez au final pouvoir obtenir le fly ID comme moi j'ai eu dans une des caisses au début. Ou encore le grade donateur qui est, je sais pas s'il est à vie, je pense qu'il doit être un mois par exemple. Parce que sinon c'est ben trop cheat. Mais en gros, voilà. Le serveur, comme vous voyez, encore une super de belles plots. Les plots sont vraiment magiques. On dirait que je dis vagin à chaque fois, je sais pas, genre c'est bizarre. Mais en gros, ouais, c'est vraiment super. Ouais, je sais pas c'est quoi, c'est juste les Québécois, mais dans le fond, ouais, tu m'as compris quoi. Fait que je vais vite fait continuer à sell. Donc là, on est rendu au sell F. Fait qu'on va faire un petit vente de. Oh, j'ai eu un petit lag, un petit freeze là. Sinon, vous pouvez cliquer sur les panneaux ici. Puis vous pouvez vendre manuellement tout ce que vous avez sur vous. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais aller jusqu'au. On va rank up. On avait dit jusqu'à E, right? Là, il nous en reste. Si je fais warp. Non, oh, il nous en reste deux encore. E. Ouais. Il nous en reste deux, les gars. Puis après ça, on... ma pioche, moi, va bientôt péter. À moins que j'en ai une nouvelle. Ouais, j'en ai deux. Tout ça, c'est correct. Icon pour finir. Petite map. Ouais, on finira sur une map Noël. On montrera la map Noël si tu veux. Y'a pas de soucis, mon ami. Ok. Donc, en gros, voilà quoi, il n'y a pas vraiment de grades. Il y a des grades qui sont disponibles sur la boutique, certes, qui doivent vous donner des kits, des avantages. On peut les voir ici dans les kits. Donc, Prestige 10, il y a des trucs qui vous donnent. Et Prestige 1, Donateur, Héros, Légende, etc. Wow, Jacku était bien bon. Moi, merci, je voulais qu'on les ouvre tout à la fin ensemble encore, cette petite bande de filles. Ma pioche a pété, puis là, je vais rank up. Oh, il te faut quoi? 17 billions d'eau, j'ai même pas 17 billions. Resell G. Oh, moi je suis encore pas. Ça me prend combien? Ouais. 17 billions d'eau, j'en ai pour fucking longtemps. Non! C'est pas grave, on est parti les amis, on est ici pour jusqu'à la fin des jours. Jusqu'à la fin des temps. Prendre un petit steak entre temps. Puis ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit dans ma dernière vidéo, wow, ça serait cool que tu fasses une vidéo sur le OP prison. Puis tout, il y a surtout, je pense à une partie en particulier, Chimix qui m'a envoyé un snap, m'a dit, ouais, c'est cool, tu fasses une vidéo sur un OP prison, etc. C'est là que j'ai commencé tout. Puis il y en a plein qui m'ont dit ça aussi. So, c'est vraiment cool que vous aimiez le OP prison en espérant que je vais vous faire découvrir ce serveur et que vous allez venir faire un tour, les amis. Comme je vous dis, il est super bien. Personnellement, je le trouve quand même bien. Enfin, les gars, vous le trouvez comment? Quand même, vous avez quand même joué quand même sur pas mal de serveurs OP prison. Est-ce qu'il est pas mal? Vos avis. Ok, merci les gars. Commence à parler. Commence mon ami. C'est juste peut-être parce que là je viens de miner quand même longtemps, c'est un peu long passer en domine, mais on passe
Ouais, les maps sont fucking belles, ça. On se le cachera pas, les maps, ils sont belles en tabarnak. Sauf que moi, c'est long aussi, faut que je monte, faut que je monte de niveau. Fait que je pense qu'on aura pas le temps. On va en faire 5, les amis. Mais au moins, ouais, c'est quand même long pour miner. Vous avez eu du temps passé. C'est le fun, t'sais, au bout d'un moment. Il y a aussi des war PVP, puis tout, vous pouvez vous faire, vous pouvez enchanter vos affaires beaucoup mieux. Il y a plein de trucs, il y a un shop, il y a plein de trucs. Tout n'est pas encore configuré parce que le serveur ouvre quand même le 21 décembre. Mais on va faire de notre mieux, les amis, pour vous proposer quelque chose de propre. Vous proposer quand même. Eux, ils vont vous proposer. Moi, je propose rien, les amis, parce que moi, je suis un gros flemmard, je fais rien dans la vie. Mais bon, voilà. Donc, je vais vendre tout ce que j'ai sur moi. Je vais casser ma pioche, puis je vais vendre tout ce que j'ai sur moi. Ensuite, on va terminer les 5 clés qu'on a encore. Vous avez encore. Wow, what? La mienne, elle a reset. Comme vous avez vu, la mienne, elle a reset. Elle reset à tous les. Combien de temps qu'elle reset, la mienne? Je pense que c'est genre les 3-4 minutes, je sais pas. 3 minutes, ouais. Donc, voilà, stylé, il y a tout le temps les minerais, quoi. On va vendre tout ce que j'ai parce que ça commence. Voilà. On n'a pas encore assez. On va quand même aller au warp clé. Il n'y a pas de temps de cooldown ou quoi. Si vous faites une commande, les gars, ça vous l'amène directement. Pas de temps de niaiser, man. T'es killin' et Kane. On va ouvrir 5 clés. J'ai eu pioche OP 2 fois, pioche OP 3 fois. 1,5 billion, 1,5 billion. Donc voilà. Si vous savez vraiment pas c'est quoi un serveur prison, je vous le rappelle, vous êtes emprisonné dans une prison avec plusieurs maps ou plusieurs prisons, si vous voulez, on peut le dire ainsi. Merci, j'ai oublié, très apprécié le cadeau. Je vous TP maintenant, ça risque d'être un long pour toi. Ouais, t'inquiète, vas-y. TP nous à la petite map spéciale Noël. Et puis, wow. What the fuck? Check le pingouin, dude. Check le pingouin. Yo, what the fuck? C'est fucking beau, sérieusement, les builds sont vraiment beaux. Fait que. C'est le Sell All, encore une fois. Vraiment stylé comme serveur. C'est en 1.8, les amis, bien entendu. Vous. T'as plus de pioche, tiens? J'en ai plein. Puis, ouais, c'est vraiment stylé comme serveur. Moi, j'adore ce type de serveur-là. Après, je sais pas si vous, ça va vous faire autant plaisir que moi. Mais l'opri-prison, c'est clair que c'est vraiment quelque chose de cool. Et puis, pas vraiment connu dans la communauté française. Il y a presque aucun serveur français. En fait, j'en connais aucun autre à part celui-ci. Vous, est-ce que vous en connaissez d'autres, les gars? Je pense. Non, on est plus sur le serveur anglais. Là. Ouais, c'est ça. On est tous québécois. Fait que la plupart d'entre nous, on joue sur le serveur anglais. So. Nous, on va sûrement y jouer. So, si vous avez envie de venir nous rejoindre, c'est le 21 décembre, je crois qu'il ouvre. Je vais vous mettre la date exacte dans la description. Et puis, je vous dirai s'il y a un changement ou quoi que ce soit dans une de mes prochaines vidéos. Sur ce, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? On a fait le tour? Oui ou non? Vous voulez encore parler ou faire quelque chose? Non. Comment on fait pour vendre la selle de Noël? C'est vendre selle Noël? Vendre quoi? Pour vendre les items que j'ai eu, le Prisma pis tout, c'est comment? Tu vends au F. Ça sera event, ouais. Ok. Sell event. Même pas. Mais encore. Ok. Snow. Ah, c'est vrai? Ouais, moi ça marche. Ok, non, juste la prison. Ouais, c'est ça, je t'ai dit. T'as eu le site, t'es bien fait, Chris, tu te bats mon. Hey! Chris de fille. Roast-moi pas dans ton record. Oh fuck, désolé. Ben. Yop, les gars, on se reprend, donc j'ai fait une petite pause. Ok, j'espère que la vidéo, les amis, vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de venir voir le serveur. Et puis on se retrouve dès demain, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'est Tycons, je vous aime. Ciao!